Hey les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous voyez, au milieu d'une retenue. C'est une retenue d'eau. Oui, c'est une rivière. Ouais, enfin, au milieu de l'eau, sur un petit bateau électrique. On voulait souffler un petit peu avec Rue. On s'est dit, tiens, pourquoi pas profiter de ce moment pour faire la vidéo des 1000 abonnés. Donc, merci. Merci beaucoup. On a passé la barrière des 1000 abonnés quand j'étais aux USA. Et ça fait donc bientôt un mois que je suis revenu. Et ça fait bientôt un mois. Bah oui, le 30. Bientôt un mois qu'on aurait dû faire cette vidéo, mais Greu a eu du boulot, moi j'ai eu du boulot, je suis entre deux contrats dans mon domaine, donc du coup pour pas m'ennuyer, hein, et puis pour mettre du beurre dans les épinards, je suis vendeur dans un magasin de bricolage. Donc là, voilà. Il m'a trouvé plein d'idées pour bricoler des caches, du coup, c'est trop cool. Voilà, alors j'en mets un petit coup de histoire qu'on s'échoue pas. Et donc, donc on va lancer le jeu concours. Cette fois, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va pas passer par des commentaires sur Facebook, YouTube, etc. Dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous allez trouver un lien, je le mettrai également sur Facebook, qui vous emmène sur une page Google, un formulaire standard, style vous allez mettre vos pseudo geocaching, l'adresse, etc. Vous verrez, il y a des petites questions rigolotes. Et puis, vous validez ça, et comme ça, on aura une feuille, nous, Excel, et ce sera beaucoup plus simple pour gérer les multicomptes, parce qu'on commence à être nombreux, et ça devenait un peu compliqué. Du coup, on aura juste à imprimer, découper vos petits noms, et puis aller rouler, comme d'habitude. Voilà, et puis là, c'est plus simple, au moins, il n'y a pas de gens qui peuvent dire, j'ai pas Facebook, j'ai pas YouTube, etc. Là, tout le monde a accès, c'est une page d'un site classique Google. C'est, c'est ce que j'allais dire. Un document Google, en fait. Sur Google, donc, là, tout le monde a accès. Voilà. Le lot, alors on va pas vous le révéler, parce que c'est un beau lot, on essaye de monter à chaque fois en fonction des paliers, et on va faire certainement d'ailleurs, vu qu'on est de plus en plus nombreux à participer, on s'est dit, tiens, d'habitude on a presque 200 participations, moi, la dernière 230 fois, la dernière fois, je sais plus, enfin il y avait pas mal de noms, de monde, et le but, on va se dire, tiens, on a un cadeau classique jusqu'à 100 personnes. Si on dépasse les 150 participations, on va ajouter une deuxième surprise dans ce gros lot. Et si on a plus de 200 participations, on ajoutera une troisième surprise. Voilà, ça va être un beau lot. Voilà. Donc pour participer, rien de plus simple. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous participez, enfin vous remplissez les quelques petites questions, vous participez et votre candidature sera prise en compte. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 11 juillet à 19h comme d'habitude, j'ai coupé le moteur, à 19h comme d'habitude, on se retrouve, nous le temps de brancher, 18h45 on lancera le live, mais officiellement à 19h on se retrouve tous et dès que tout le monde est à peu près arrivé, 19h, 19h05, on lance le tirage au sort et on révélera le lot une fois que ça aura été gagné, voilà. C'est ça, plus les surprises si du coup il y a les surprises. Voilà, bien sûr, on révélera ou pas les petites surprises. Ça pourrait être la petite surprise en plus dans le paquet. Je sais pas, on verra. On décidera ça avec vous pendant le live. Voilà. autre chose, je vous remercie. Vous avez été pas mal à vous procurer des jolis t-shirts comme ceci pour hommes, femmes, les accessoires, des gourdes, etc. Donc ça nous a fait plutôt plaisir. Et ça, dans le monde entier, puisqu'on a le site Spreadshirt en France, mais on l'a ouvert également aux USA, enfin pour les Américains. Et donc du coup on s'est dit qu'on lancerait peut-être plus tard, là on verra, un concours de Mister et Mrs. Geocaching with Flampay, donc on verra ça plus tard. Donc en gros ce sera un principe assez simple, en gros pour tous ceux qui ont eu ces accessoires, pour vous mettre en valeur en fait, on demandera une petite photo de vous avec l'accessoire ou l'accessoire posé quelque part, pour ceux qui veulent pas bien sûr montrer leur visage, et puis on fera un vote par la même manière, tout le monde aura un lien et tout le monde pourra aller choisir son Mister et sa Mrs. Voilà, il nous reste plus qu'à rentrer. Hein, si on coule pas. Ouais. Et puis on vous dit à très vite les abonnés. Ciao.